Bonjour, c'est Mogi. Salut, c'est Aspirateur. Salut tout le monde, c'est Yogad. C'est Ekti. On va parler de Sprint Master. Je ne sais pas s'il y a une suite comme simulateur, comme d'hab. Non, c'est rien. Sprint Master 2009. Ah, voilà, voilà. Parce que je me disais bien qu'il y a forcément un numéro ou un simulateur, quelque chose, Mekoui et tout ça. Donc là, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un nouveau jeu de merde ou un chef-d'œuvre de médiocrité pour le Mogi Aspichaud. Alors bon, là, les gens, ils s'amusent avec leur Red Faction Guerilla, mais nous, on s'amuse avec Sprite Master 2009. Donc, bah, Sprite Master, parce que souvent, c'est souvent des jeux germaniques, souvent. Donc voilà, donc à l'instar de Landwirtschaft Simulator, Les Allemands qui ont créé la Kartoffel Salade. Oui, voilà, oui, parce que c'est l'un des rares mots, parce que j'ai fait allemand étant plus jeune, et c'est l'un des rares mots que j'ai retenu avec Orangensaft, qui veut dire jus d'orange. Et comme je suis français, je retiens plus facilement les noms de bouffe. Donc voilà. Donc l'Aspi, tu nous en parlais de ce magnifique jeu de démolition, tout simplement, qui est sur PC. Oui. Ah bah, donc là, vous pouvez voir, je me suis pris une tour dans la gueule. Donc évidemment, le but, c'est un simulateur de mecs qui démontent des bâtiments de manière pas fun. Donc, il faut savoir que, oh, bon, je pense que ça sert à rien de le préciser, mais je le précise quand même, au niveau graphisme, ça se voit, c'est sorti en mars 2009. Donc, au niveau graphique, on peut le remarquer assez facilement. Donc, c'est sorti en 9 pour 20€ quand même. Donc, il y a quand même un mec du studio qui a joué, qui a fait, moi, je mettrais pas plus de 20€ là-dedans, les mecs. Donc, voilà, finalement, ils ont mis un prix plutôt décent pour cette grosse merde. Donc, encore une fois, c'est les Allemands qui nous sortent ça. Les Allemands sont très doués pour les jeux de simulation foireux, de ferme, de je pète des trucs, de camions poubelles, de n'importe quoi. Ils sont très très doués là-dedans. Et là, ils ont vraiment fait un... Et tous les effets de lumière, enfin, les effets de lumière déjà sont très pauvres. Les effets d'explosion aussi sont très pauvres. Il y a souvent le jeu rame, mais c'est vraiment à cause du jeu. C'est pas à cause du genre du PC qui rame ou ce genre de conneries. C'est vraiment à cause du jeu qui est très mal foutu, qui rame. Des fois, là, on peut voir des ponts, par exemple, qui rebondissent contre le sol. Je comprends pas pourquoi. C'est complètement illogique. Et à chaque fois, en fait, on va quand même expliquer le jeu. C'est en haut à droite, vous pouvez voir donc déjà trois types de bombes, mais au total il y en a quatre. À côté, vous pouvez voir des pourcentages. En fait, en bas, il y a marqué le nombre de pourcentages qu'il faut que je fasse pour passer au truc d'après. Donc là, il faut que je nique 50% de ce pont. Donc après, je vais déposer mes bombes et je vais tout faire sauter. Sachant que comme le moteur physique a été fait à l'arrache par trois stagiaires, bah, c'est pas toujours évident de faire péter, même en plaçant bien les charges où il faut. Donc là, vous pouvez voir que voilà, il y a toujours un truc qui te bloque au bout d'un moment, tu sais pas trop pourquoi ni comment, et souvent ça te réinitialise ce que tu viens de faire, ce qui fait que tu n'as même pas pu profiter de ton explosion. Et ça aussi, ça fait partie des trucs un peu cons du jeu. Le jeu est en vue FPS parce que ça coûtait un peu cher quand même de devoir créer un modèle 3D. Donc le jeu est toujours en vue FPS. Vous pouvez voir que quand quelque chose tombe, il disparaît et en fait forme une sorte de bouillasse sans forme et sans relief, enfin avec un relief mais sans texture. Ce qui est très bizarre. À mon avis, ils ont dû oublier de mettre la texture. C'est très étrange. Et avec nous, on a un mec qui adore tout démolir. J'adore tout démolir. Ouais, je fais des études un peu axées là-dessus, mais encore, je démolis pas. C'est voir comment une structure fonctionne. Ah, c'est sûr, peut-être pour les architectes. Ah non, On n'a jamais prétendu que tu faisais ça par rapport à tes études, si c'était ton hobby de démolir des choses. Bah si, je faisais des études parce que je suis fun aussi, attends. Bah oui. Un petit peu, mais bon. Voilà, donc j'adore démolir les choses. Donc ouais, c'est quand même assez foireux. Hein. C'est très foireux. Non mais vraiment. Hein. Attends, même comment ça tombe, même le pont qui commence à balancer comme un trampoline de piscine, je sais plus comment ça s'appelle, les plongeoires de piscine. C'est impressionnant, c'est n'importe quoi, c'est très pauvre, hein, franchement. On peut remarquer que le moteur graphique du jeu a largement de quoi faire pâlir le géomode de Red Faction Guerilla. Mais même le géomode de Red Faction 1 sorti à l'époque était mieux foutu que celui-là. Parce que là aussi, vous pouvez voir, par exemple, celui-là, c'est le plus. Enfin, sur ce modèle-là, c'est le modèle le plus flagrant au niveau des bugs. Il y a vraiment, enfin, au niveau du truc, des fois quand t'exploses, tu dis, ok, je vais faire péter les fondations, genre là. Comment est-ce que le truc en bois il arrive à pencher sans se vautrer, c'est n'importe quoi. On dirait un dessin animé. Genre waouh, j'ai pas tombé. Après ça fait vraiment dessin animé par contre. Oui, t'as vraiment des trucs. C'est très foireux, mais c'est un truc de dingue. Et des fois on voit vraiment un truc, on fait ok, je vais faire péter les fondations comme ça le truc il va s'écrouler et tout. Tu fais péter les fondations, en fait le truc se recule mais ne pète pas. Et en fait tu comprends pas. Et voilà là regarde. C'est n'importe quoi. Pourquoi il tombe de ce côté? C'est mon air bondi. Ouais, c'est la fête foraine. C'est trop chelou. C'est n'importe quoi.
tu peux pas faire un jeu aussi mauvais. Regarde, les bombes, les... Attends, mais c'est ridicule. Les bombes, c'est... Ouais, c'est de l'autre côté. il est gluant, la structure, là. Les bombes, c'est un point rouge que tu poses. Y a rien de logique. Mais c'est pas normal de créer des jeux comme ça, bordel. Et surtout que là, ils se sont plantés dans leur moteur physique. Alors, c'est quand même... On va dire toute la base du gameplay du jeu en quelque sorte, vu qu'il faut savoir dégommer chaque structure de la meilleure façon qui soit. Si le moteur 3D, enfin le moteur physique foire, c'est tout le jeu qui a foiré. Que foncièrement le principe du jeu, il n'est pas si naze que ça. C'est vraiment tout ce qu'il y a à côté. C'est le côté graphique, c'est le côté vide, c'est le côté chier du truc. Même c'est vraiment ridicule, qui en fait vraiment quelque chose de mauvais, de très médiocre. Oui, c'est vraiment, c'est un jeu, on rigole quand même en y jouant parce que c'est très mauvais. À noter, leur mascotte à droite, il y avait un truc de démolition, comme dans, je sais plus quel jeu, parce qu'ils ont fait je crois que les développeurs ont fait un jeu un peu comme ça, il me semble, c'est avec des véhicules, travaux, etc. Oui, c'est IUG, donc les développeurs qui ont fait ça. Donc IUG, c'est aussi un nom très très vague, donc si jamais on essaie de se renseigner sur cette société, on tombe sur plein d'autres sociétés. Donc en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris ce nom pour ne pas qu'on les reconnaisse dans la rue, et pour éviter d'avoir des ennuis avec les gens en général. Donc c'est assez dur de se renseigner sur eux, mais ouais, ils sont spécialisés en fait dans les simulations allemandes foireuses. Donc ils ont fait pas mal de trucs assez médiocres. Et moi, dans le jeu, je suis bloqué au 10e truc à faire péter. Parce qu'en fait, c'est une sorte de maison à faire exploser. Et une fois qu'on l'a fait péter, il y a tout qui s'écroule. Mais j'atteins pas le niveau de pourcentage, car les choses qui tombent au sol n'explosent pas. Parce qu'il faut que les choses qui tombent au sol explosent, en fait, pour qu'elles soient validées. Mais là, les choses tombent, mais n'explosent pas. Ce qui fait qu'elles sont jamais validées et que je peux jamais avancer. Il y a plein de bugs comme ça, où des fois, tu vas tout faire péter, mais finalement, t'as un pourcentage de merde parce que rien n'a pété, tu sais pas trop pourquoi finalement. Des fois aussi, il y a des. Enfin, je crois qu'on le voit un peu plus tard dans la vidéo, il y a des bombes qui n'explosent pas. Parce qu'en fait, il faut juste faire un. Je crois que c'est un clic droit et ensuite cliquer sur Zundrug pour tout faire péter. Voilà, donc une fois. Et après, une fois qu'on a cliqué sur Zundrug, on a un décompte et hop, tout explose. Et, et des fois, il y a des bombes qui mystérieusement ne veulent pas exploser. C'est assez étrange. Et comme dans les missions de démolition spéciale de Red Faction Guerrilla, on a en fait un certain nombre de bombes pour faire péter une certaine structure. Donc parfois ils sont assez généreux, ils t'enfilent pas mal, et des fois c'est vraiment c'est des gros radins, ils te filent vraiment rien pour faire péter une assez grosse structure, et ça c'est pas très bien foutu. Genre là, j'avais bien fait péter la tour, mais j'ai pas réussi, parce que j'avais pas atteint le niveau de pourcentage qu'il fallait, alors que pourtant j'avais démonté la tour. Enfin c'est vraiment illogique ce jeu, c'est vraiment n'importe quoi. Les mecs qui l'ont programmé, faut vraiment qu'ils retournent à l'école de programmation, ou alors qu'ils changent de stagiaire. Tout est pauvre, mais c'est incroyable, tout est pauvre. Il y a le truc qui rebondit, regardez autour de vous, il y a quoi? Il y a une longue steppe verte, pauvre, mauve, pourrave. Bon, l'eau, ça va, mais bon, c'est quand même, mais c'est très moche, et... ces Allemands ont le don de faire des espèces de Land Wir Simulator, ou de jeux de tracteur, ou de jeux de machin. Voilà, bon, c'est pathétique. Le pire là-dedans, c'est qu'ils n'ont aucun don par architecture, c'est très moche. Regarde, c'est moche. Déjà, le truc est moche. En plus, on explose des trucs moches. Ils ont même pas fait l'effort de faire la structure bien. Oui, c'est même pas stylé. Ils ont même pas. Alors que c'est plus marrant de faire démolir un truc stylé que. Enfin, moi, je connais ça tous les jours. Tu vois, j'ai fait sauter des banques et tout. C'est plus rigolo. Et là, non. Là, c'est vraiment. C'est pas drôle. Regardez, là on peut faire exploser une espèce de pont. Oui, et comme signale la speed, la bombe vole. Ils ont même pas fait l'effort de faire quelque chose de cohérent pour un jeu qui se veut justement réaliste et cohérent. Oui, ils auraient pu faire un mode création, on aurait pu exploser la Nice de Chanchien par exemple. Oui, d'ailleurs, il y a, comme d'habitude pour tout ce genre de jeu, il y a toujours une communauté de fans qui ont créé un forum allemand où il y a dessus 10 personnes, comme pour Landfischfrass Simulator. Sauf que pour ce Landfischfrass Simulator, il y avait quand même une. Landwirtschaft Simulator. Voilà, bien. Monsieur qui a fait de l'allemand te parle. Voilà. Donc pour ce jeu-là, il y a vraiment une communauté qui crée des mods et tout. Là, c'est juste des personnes en fait qui parlent. Et si vous allez sur le site officiel de Springmaster 2009, vous pouvez voir carrément les high scores des gens qui les mettent en ligne. Donc si jamais vous êtes vraiment fan, vous pouvez mettre des high scores. Oui, il y a des gens qui sont fiers de leur high score quand même. Ça, c'est quand même pas mal. Donc là, vous allez voir l'explosion qui rame. Est-ce que ça va faire plouf ou pas? Bien démoli. Non, je crois pas que ça fait plouf. Ah si, on entend des ploufs, mais on n'en voit pas. C'est assez chelou. Et là aussi, vous pouvez voir, il y avait une bombe verte qui a pas explosé. Là, on la voit. On la voit, elle a pas explosé. C'est un bug du jeu. C'est un bug. Et le jeu en est rempli. Vraiment, il y a des bugs un peu partout. C'est vraiment, vraiment relou en fait à jouer. Parce que même quand on joue, au bout d'un moment, on rigole pas parce qu'il y a tellement de bugs que c'est
très très chiant. Et bon, aussi il y a plusieurs modes. Donc là c'est, en fait je vous montre le mode mission où là vous avez vu en fait le mode carrière où je faisais ma carrière de démolisseur de trucs pas beaux. Et là, c'est t'en mets plein là. Alors là, t'es en mode gros bœuf qui met plein de bombes pour bien faire niquer le truc. Pour montrer comment le jeu il bug aussi, non? Enfin, comment il rame. En fait, là, c'est le mode mission où en fait, je choisis un truc à faire péter. Il te donne 99 de chaque truc pour faire péter, sachant que le D, c'est celui qui fait tout sauter. Le C, c'est celui qui fait tout sauter, mais un peu moins. Le B, c'est bien costaud. Et le A, c'est normal. Donc, et en fait, il te donne 99 de chaque. Donc, comme tout mec normal, quand tu lances ce genre de jeu, tu dis non, j'en ai 99 de chaque. Bah je mets 99 de chaque. Et là je vous ai fait un montage suivant la progression en fait de mon exploit de démolisseur du dimanche. Et en fait vous allez voir que ça, à la fin ça fait des jolis mélanges de couleurs et tout. Au niveau artistique, au niveau des couleurs, c'est quand même assez joli. Bah je pense que ouais, là c'est de l'art contemporain. Oui, je pense vraiment. Que si un artiste regarde, il ferait oh truc de ouf. Putain, je vais le contacter. Là Andy Warhol, il aurait kiffé. Il aurait bien kiffé. Au musée Beaubourg, il aurait fait fureur ton truc. Mais c'est très triste parce que encore le jeu de tracteur, il y avait des trucs drôles genre Kevin, ne bouge pas. Mais là il y a rien, on peut même pas rire dessus. C'est très triste, c'est mort, il y a rien. Je fais une dépression. Il y a quand même des bruits d'oiseaux en fait au fond, histoire de te montrer que l'univers n'est pas complètement mort. C'est... Bon là, je continue encore à poser des trucs, parce que c'est quand même bien long de poser des trucs, sachant qu'il faut cliquer pour... En fait, tu choisis ton truc à droite dans la colonne, ensuite tu cliques pour poser ton truc, mais quand tu cliques sur une bombe que tu as déjà posée, tu la récupères. Et quand en fait, c'est le même bouton pour les poser et pour les récupérer. Donc quand tu essaies d'en mettre plein, tu vas toujours en récupérer une ou deux que tu voulais pas récupérer. Enfin, c'est très relou, c'est très laborieux comme jeu. Et même quand tu essayes de faire des vraies missions, des fois tu essaies de poser tes bombes de manière intelligente, mais finalement tu vas en retirer une parce qu'il y a un bug qui fait que la bombe qui était derrière le mur, tu vas la récupérer, c'est pas trop comment. Et tu comprends rien, le jeu est ultra buggé, c'est chelou. Et les mecs qui l'ont fait d'ailleurs sont quand même assez fiers de leur jeu parce qu'ils ont sur leur site, on peut voir un test d'un site qui s'appelle Gamers en Allemagne, donc gamers.de, qui ont noté le site genre dans les 80%, comme quoi pour eux c'était vraiment un jeu de ouf, vraiment excellent. Et ce genre de jeu en Allemagne retire quand même des bonnes notes, c'est quand même assez étonnant, c'est vraiment ils notent, ils font « Ah bah c'est allemand, on va noter bien !» Voilà, comme c'est assez étrange. En même temps c'est un jeu qui n'a pas une once de violence, vu que là-bas c'est le pays dans lequel la censure prime et les jeux violents sont un peu prohibés. D'ailleurs je crois que t'as Crytek qui vont changer de pays vu que là-bas la violence dans le jeu vidéo est fortement punie entre guillemets. Et donc bah là celui-là on peut dire que ça va, hein. Bon, mis à part le fait que tu démolis des structures, tu fais pas grand chose à part ça, donc ça va, hein. Je pense que ce jeu là pourtant les Allemands ils ont démoli beaucoup de choses. Oui, donc voilà, en fait, mais comme c'est gentillet, en fait c'est vraiment tu détruis au milieu de rien, du rien, donc c'est pas mal. Donc là, ils ont cassé des murs de Berlin. Oui, bah oui, quand même. C'était les prémices de ce jeu. Des murs de Berlin, tu sais, on a eu plusieurs. Oui, c'était la prémisse de ce jeu-là. Donc là, j'ai bientôt cliqué sur Zundug pour que vous voyiez en fait l'énorme explosion. Donc là, il y a du suspense. Là, il y a du suspense, les mecs. Suspense. Donc là, tout est placé. Bientôt, je vais cliquer sur Zundug. Je me mets dans le coin pour qu'on voit bien tout ce qui va se passer. Suspense. Crash. Et là c'est un crash du PC en fait. Car le jeu n'est que Rungenzaft pendant ce temps. Voilà, en fait le jeu n'a pas prévu le fait qu'on en pose autant. Donc en fait on peut tout poser et après le PC va ramer un truc de dingue et va finir par crasher au bout d'un moment. Donc tu vas avoir ton écran Windows qui va réapparaître et c'est vraiment très relou. Donc c'est un jeu que je vous conseille fortement car il est quand même qu'à 20€, hein. Il y a quand même des gens qui ont travaillé dessus, donc s'il vous plaît faites manger ces gens, ils sont vraiment excellents. Il y a quand même Lunes Plus aussi à 3€, qui vaut quand même un peu mieux niveau qualité et qui est moins cher. Voilà, c'est vraiment, enfin c'est du gros foutage de gueule ce jeu, encore une fois une simulation allemande foireuse, mais bon on les aime bien pour leur petite simulation rigolote.